même pas dans le cadre. Mais si, t'es là. Attendez, je me recroise avant. Bonjour, je fais de la ASMR. Engolo. Kanté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ces deux trucs. Merci. Donc je vous présente Carla et Margos, Marie. Yes. Yes. Bah Marie n'est pas là, mais Marie est là dans nos pensées. Bon, ça aide très fort. On vous a dit de nous poser des questions sur nos stories Instagram. On va aller chercher nos pâtes et on revient pour répondre à toutes vos questions. Yes. Let's go. On est revenu avec nos pâtes et du coup on va répondre à vos questions. Quelles étaient vos premières impressions sur les unes et les autres? Alors... Bah, moi et Margot on se connaissait on était dans le même collège. Non, je parlais pas parce qu'on n'avait pas les mêmes potes. Ouais, donc voilà. Franchement, Maya, je l'ai vue à la rentrée, je me suis dit, elle a l'air gentille, mais je connaissais pas du tout sa chaîne. Et après, un jour, en cours, elle me montre une page de son agenda et c'était écrit quoi dessus? Je suis célèbre. Ah oui, c'était écrit je suis célèbre. Et elle me regarde, elle me fait Maya. Et elle me la montre, elle me fait tu la veux? Et du coup, on a commencé à parler comme ça et tout. Voilà. Ouais, Maya. Voilà. En vrai, moi, Carla, au début, je l'ai vue à la rentrée et tout, et je trouvais qu'elle s'habillait trop bien, mais je me suis dit, non, mais en fait, elle est beaucoup trop timide. Genre, elle parle pas. Non, je me suis dit, elle parle pas du tout. Genre, elle est beaucoup trop timide. Genre, elle est trop renfermée. Et après, je sais pas. On s'est parlé, je sais comment. Après, je me suis rendu compte, elle était tout aussi folle que moi. Ok, prochaine question, t'as quoi, Margot? J'avais pas beaucoup de questions, moi, j'ai pas d'amis. Vos artistes, bref. Moi c'est Shawn Mendes. Moi j'ai beaucoup trop d'artistes préférés. Bixo et Oli. Ouais mais entre autres. Visionnaire. Bah ouais, lol. Non mais je sais pas, Bixo et Oli, L'Homme Pâle, beaucoup trop de gens que j'admire. Romeo Elvis. Sara Ramirez, j'ai beaucoup trop de gens que j'aime bien. Ah, moi aussi, moi je peux pas dire, je sais pas. Après ça dépend de mes périodes, il y a des moments où je préfère d'autres. Christophe Maé. Ah non. En ce moment c'est qui? En ce moment bah là j'écoute le nouvel album de Columbine et Romeo Elvis, mais après je sais pas, voilà. Ok. Vos plats préférés? Moi je dirais la pizza. Moi j'adore le chocolat. C'est pas un plat. Mais oui, mais du coup tous les gâteaux au chocolat et tout j'aime bien. Voilà. D'accord. Toi Margot? Les pâtes carbo. Bon bah c'est sauce tomate mais je suis pas loin. Est-ce que vous faites du sport et vous faites attention à votre alimentation? Alors je fais pas vraiment de sport mais oui j'essaie de manger genre le mieux possible quoi mais... T'as mal les genoux fragiles. Si vous la suivez sur Instagram vous avez vu qu'elle met des stories avec ça. Moi je fais de l'athlétisme. Et Ouais, madame fait genre, elle sait courir quoi. Dis ça, frère, tu sais, je les cours de sport, qu'est-ce que tu veux? Le fou. Et par contre, non, je fais pas du tout attention à mon alimentation, moi. Je m'en fous, je mange ce que je veux. Génial, tu viens de recracher ma pâte. Oui. Non, je fais pas gaffe à ce que je mange. En fait, ça dépend des périodes. Genre, j'essaie de pas manger de la merde, mais. Bravo. Voilà, quoi. Vous faites quoi en LV2? Elle fait espagnol. Moi je fais de l'espagnol, ouais. Espagnol. Mais c'est bien l'espagnol, mais pas avec le prof. Arrête, s'imagine, il tombe sur cette merde. Ouais, tu couperas. Et vous faites. Allemand. Je comprends pas pourquoi. Pour notre plus grosse joie. Moi je pars en voyage, attends. Mais je fais de l'allemand depuis la 6ème, mais clairement j'ai l'impression d'en faire que depuis un mois. Bon, j'arrive à comprendre certains trucs. Voilà, mais elle comprend quand même plus que moi. Bref. Quelles sont vos phobies non habituelles à les abeilles? Totalement, je ne vois une abeille, je pars en crise de panique. Ah ouais. Et vous? Les clowns. J'ai peur des clowns. C'est con à avouer. C'est un peu connu, tu as la peur des clowns, non? Ouais, mais c'est avec les vidéos. Non, en vrai, j'ai peur de tout. Tu mets Margot devant des escaliers, elle a peur de les monter. Moi, j'ai pas de phobie. Hein. Mais c'est pas ça, mais genre quand je suis chez moi et que je suis toute seule, que j'entends des bruits, mais j'ai envie de faire une valise et de partir en fait. Je suis parano en fait, j'ai même pas peur, je suis parano. Quoi? Mais non, moi, j'ai pas de phobie, moi. Triste lui. Après par contre je déteste les gens qui vomissent mais bon. Comme ça c'est une phobie je crois des gens qui vomissent. Je sais pas. Non c'est pas les gens, c'est le vomi. Ouais c'est la peur du vomi, c'est Et bon appétit bien sûr. Vos pires bêtises. Oula. Moi, quand j'étais petite j'étais chez Ikea. Qu'est-ce que... Et j'ai vu une porte de secours. J'ai foncé dessus, sauf qu'il y avait l'alarme qui s'est déclenchée. Ça c'est une des pires conneries. Je sais pas. Du tout. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Mais genre une petite mèche de cheveux, genre j'ai encore les cheveux longs. J'ai fait pareil. Je suis tombée comme ça dans des bocs de châtaigne. Pourquoi y'a-tu moi qui raconte des conneries? Ma chère pote, tu t'arrêtes pas de parler, Je suis une boulet de service. Non, bah moi une fois genre j'ai volé à Carrefour un petit... une petite peluche hérisson là. Oh non. Mais elle est trop mignonne, mais je l'ai encore.
Mais du coup, je l'ai volé. C'est son trophée. Oui. En plus, j'étais trop en stress, tu sais, quand il passe là. Ouais. Mais ça va, y a pas, ça passe. Moi, comme bêtise. En vrai, j'ai jamais vraiment fait de grosses bêtises. Je me suis fait virer d'un cours de maths une fois. Oula. Moi aussi parce que j'ai un pote derrière moi, il a dit j'aime Gémeaux et j'ai rigolé et après elle m'a viré du cours. Moi aussi c'était parce que je suis partie en gros pour rire et j'arrivais pas à m'arrêter, elle me fait tu sors et j'étais en mode Vos pires hontes. Je crois que quand je rigole comme une gamine, les gens ils croient que je suis immature. Ma pire honte, être pote avec My Dead Life. Moi oui. J'ai pas de honte, j'assume tout ce que je fais. Oula. C'est faux. Non mais je sais pas, là tout de suite je sais pas. Bah j'ai honte d'être parano et d'avoir peur d'abri chez les bruits quand je suis toute seule chez moi. Mais ça je crois que c'est normal. Votre matière préférée? L'anglais. J'écoute, t'allais dire l'allemand, j'ai peur. LOL. Ouais, l'anglais. Moi c'est peut-être la SVT. Peut-être les maths. T'as moi c'est la SVT. Vous voulez faire quoi dans la vie? Vos objectifs? Pas d'objectif. Dormir toute la journée. Passer en première. Très bon objectif. Avoir le bac. Ouais, je crois qu'en vrai mon objectif c'est genre d'avoir le bac, trouver une bonne école et d'avoir un bon futur en gros et d'avoir une bonne santé. Ouais, d'avoir une vie stable. Et tu vas faire quoi plus tard? En école de commerce à mon avis. Ah, je vais faire journaliste. On ne savait pas. Ah, il y a tous les gens de la classe, ils ont vu là le truc, mais non. Ah oui, vous en pensez quoi de la classe? Ben moi je suis contente hein. Ben moi quand je suis arrivée en début d'année j'ai fait oulalalalala et en fait ça va, c'est cool. Bah oui, parce que j'ai oublié de vous expliquer, mais en fait Carla et Margot, mais c'est mes potes de lycée, mes potes dans ma classe. Mais malheureusement pour nous. Mais t'es sérieuse? Genre il y avait personne que je connaissais avec qui je parlais bien. Du coup bah j'étais un peu déçue, mais après je me suis dit bah... En fait j'étais mitigée parce que d'un c'est côté j'ai pensé à moi. Tu veux finir? Attends. Ouais. Oh, merci, je t'aime. Pour la petite anecdote, en fait on est dans la classe 203. Et du coup drôle. Le groupe Snap s'appelle Jamais 203. Grâce à Bibi. Voilà, donc cœur sur vous si vous passez par là. C'est à peu près tout pour cette vidéo. On va retourner en cours nous. J'espère. C'est génial. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tu sais pas manger. Mon t-shirt blanc. Tout jean. En plus tout se passait bien. Et là t'as dit de dire au revoir à... L'envers du décor de Maya. Story time. On prend possession de la chaîne de Maya's Life. Non mais les gars, je suis tachée. Tais-toi, on retourne une vidéo. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, donc celui de Carla, celui de Margot et le mien. Sur ce, on vous embrasse très très fort et on vous dit à dans une prochaine vidéo. Bisous. On vous aime. Non je regarde.